Salut, on se retrouve pour des prédictions. Les énergies ne sont pas interchangeables. Il y a certaines informations qui résonneront avec certains et pas avec d'autres. J'en appelle à votre discernement. Vous avez plus d'infos dans la présentation de la chaîne et sur le site internet. Je rappelle aussi que les guidances, je rappelle que les guidances privées se font par téléphone ou WhatsApp audio si vous êtes dans les dom-toms ou à l'étranger. Tout est expliqué sur la page d'accueil ou dans le descriptif des services. Pour la guidance, j'ai juste besoin des prénoms et date de naissance. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne. Ça commence bien. Alors déjà ici, on insiste sur ce mot séparation, c'est comme s'il y avait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on me montre un bras. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 16 août. Il est possible que ça survienne sur la date en question. J'entends ce mot fin, on insiste vraiment sur quelque chose qui s'est déchiré. Alors c'est particulier parce qu'on me montre soit un pied ou un bras. Une jambe. Et avec cette carte, vous voyez du dessus, j'ai cette idée de douleur. Pour moi, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un homme qui vit la situation de, j'entends, de deuil. Donc ici, c'est pas vraiment une prédiction, j'ai l'impression que c'est en cours, au moment où je tourne cette vidéo là. Alors, je vais prendre la seule carte qui s'est retournée. Et je reviens. Alors, j'ai ramassé les cartes. J'avais des questionnements de savoir est-ce qu'on pourrait en savoir plus par rapport à cette séparation ou ce deuil. On m'a fait sortir le Dixit. Peut-être que la réponse sera dedans. Je ne sais pas. Alors, on me montre aussi des petites rentrées d'argent pour des personnes. Je ressens que pour les personnes en question, on est en attente d'abondance. Peut-être qu'on a fait des rituels à la chance ou quelque chose comme ça. Et j'ai cette notion que sur les prochaines semaines, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de l'argent. Pour les personnes qui sont en attente des petites sommes là, qui vont rentrer prochainement. Mais pour moi, il y aura une abondance qui sera plus grande d'ici ces prochaines semaines ou prochains mois. Mais pour moi, ça fait suite à un travail, hein. Quand je dis un travail, c'est des libérations énergétiques, des vœux ou une reprogrammation. Pour moi, ici, on a engagé beaucoup de, j'entends de libération, mais des souhaits, on va dire, à l'univers. Et des soins de guérison par rapport à l'abondance. Et ici, on exaucera prochainement vos demandes. J'entends ce mot récupérer. Pour certaines personnes qui ont engagé, voyez, ces libérations, il est possible que vous soyez plus regardé, plus visible. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si on allait plus vous remarquer. Au moment pour des personnes qui sont noir de peau, là, par rapport à ce que je suis en train de dire concernant le regard. Et pour certaines personnes, vous allez constater beaucoup d'élan. Pour certaines personnes, vous allez constater beaucoup plus d'élan de générosité ou d'attention de soi. J'ai un peu cette idée-là. Il y en a des choses.
Ici, on insiste sur ce mot poignée de main et il est possible qu'on signe un contrat prochainement ou un partenariat. Je ressens un homme en face. Pour les personnes qui sont concernées par la chose. Et pour moi, ça concerne du pro, hein. On insiste vraiment sur cette signature, que vous signez des papiers. Je ressens aussi pour certaines personnes qu'on met en place quelque chose d'un point de vue contractuel pour entamer une grossesse. J'entends des démarches. Pour les personnes qui sont concernées par ça, j'ai ce ressenti que jusqu'à présent, donc jusqu'au 16 à peu près, on a beaucoup prospecté et regardé sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi qu'on s'est renseigné, j'allais dire, à l'étranger. Ça peut être en Espagne ou dans un pays limitrophe. Parce qu'on me montre cette idée soit de bateau ou de moyen de transport qui est peu commun, si vous voulez, pour vous rendre dans l'endroit en question. Alors, il y a aussi des rentrées de voyage et des personnes qui pourront effectuer un court déplacement. J'ai cette notion de Airbnb, là. Vous voyez, c'est comme si on va faire un week-end et on loue une maison. Donc, il y a deux cas de figure, des gens qui rentrent de vacances et d'autres qui partent en voyage, mais de courte durée. Donc, pour certains aussi, on retrouve de l'énergie. Pour certaines femmes, on retrouve aussi de l'énergie sur la, j'allais dire la semaine. Bon, bah la semaine. Après, au moment où cette vidéo sort, ce sera peut-être valable au moment où vous regardez la vidéo. Et pas nécessairement que dans la semaine du 16 août. Alors, j'entendais quand est-ce que comment dire, ce contrat se met en place. En même temps, Canal, j'entendais voyage. Donc, il est possible que ça se mette en place après un voyage. Je ressens pour certaines personnes indépendantes des clients, des personnes qui viennent à ces indépendants, qui sont dans l'énergétique, là. Peut-être que l'activité ici était à l'arrêt. Pour X ou Y raison ici. J'entends ce mot fatigue. Et peut-être aussi dans certains cas qu'on était en libération. Et que vous n'étiez pas en état de travailler parce qu'on m'envoie cette idée que la charge énergétique, vous voyez, au niveau de votre canal était assez dense. Et peut-être qu'on manquait d'équilibre à cause de ce. Peut-être qu'on manquait d'équilibre à cause de ces libérations-là. Parce qu'on me montre qu'au niveau du coronal, il y a des choses qui ont été. Il y a eu de gros transferts. Ça peut être au niveau des rêves et au niveau du coronal. On me montre que votre canal était occupé par ces retraits énergétiques, mis à jour, si vous voulez. Donc la connexion et la guidance pouvaient mal passer, entre guillemets, ou être restreintes. Parce que vous voyez, le canal, il est occupé à autre chose. Et je ressens aussi qu'il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites pendant le sommeil. Sur les prochaines semaines, il est possible qu'il y ait un visu à quelqu'un que vous connaissez.
Sur les prochaines semaines, il est possible que vous ayez un visio avec quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. On insiste sur ce mot de félicité et de joie par rapport à cette... comment dire? Le fait de voir cette personne. Alors, il est possible que cet homme ici vienne à vous. Je le ressens quand même, comment dire? Il y a quelques peurs chez cet homme, mais en même temps, je le ressens un peu décidé à venir vous parler. Il est possible dans certains cas que cet homme soit au courant que vous êtes à un endroit et fasse le déplacement. Ou alors, j'ai cette idée que ni l'un ni l'autre ne s'attend à se voir et j'ai cette idée de bonne surprise. Bonne surprise et de choc, mais des deux côtés. Mais j'ai quand même une personne ici qui est sous le coup de la culpabilité. Et même si vous croisez cette personne, j'ai le sentiment qu'il y aura besoin de temps avant d'avoir une conversation, on va dire, approfondie. La conversation approfondie ne se fera pas au moment de la, comment dire, du visuel, hein. Parce que j'ai l'impression que certaines choses sont en changement. Et il est possible aussi que, on insiste encore sur ce mot séparation, que cet homme soit en train de vivre une situation difficile qui fait que, il ne sera peut-être pas très enclin, si vous voulez, à rentrer dans des sujets, on va dire, délicats. Et pour moi, ça concerne sa famille, j'entends sœur. J'entends sœur, possiblement un décès. On me montre cette idée qu'il y a quelqu'un qui tourne le dos là. Une femme qui tourne le dos. Une femme qui a des enfants. Je ressens encore les questionnements par rapport à cette séparation ou ce deuil-là. On me renvoie encore cette idée du Dixit. Après vous dire si ce sera le Dixit en question, je ne sais pas. Mais on me montre cette idée d'ambulance. D'impact et d'ambulance. Ici, il y a eu beaucoup de détails, donc il faudra prendre ce qui résonne avec vous, contrairement au message, parce que là, il y a peut-être plusieurs infos pour plusieurs personnes. Et on ne me donne pas plus de choses concernant ces prédictions, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt.